Tout d'abord, je pense que l'un des premiers enjeux, c'est qu'on va de moins en moins distinguer le marketing B2B du marketing B2C. L'acheteur est une personne et on va faire plutôt du marketing tout personne ou tout consumer, si on peut dire ça comme ça. Donc je pense que ça va être important et dans notre mode de pensée en tant que marketeur de ces segments entreprises, de réfléchir que l'acheteur peut être aussi un consommateur. Ça, c'est un des défis. Je pense qu'il va y avoir aussi des défis techniques. On a effectivement cette législation GDPR qui arrive très vite, qui va, je pense, impacter pas mal la façon dont on va traiter la donnée et la capacité qu'on aura à traiter de la donnée et à s'en servir dans nos démarches. C'est structurant d'une manière pas forcément facile, mais il va falloir construire dessus et gagner quelque chose, et notamment en essayant de se différencier, en personnalisant au maximum pour que les gens aient envie de nous confier finalement leurs données, qu'ils y voient de la valeur, puisque maintenant il va falloir non seulement les convaincre que nos solutions sont les meilleures, mais qu'en plus on peut leur parler.